Les amis, qui a besoin d'une télécommande? Il y en a un paquet, les gars. Les gars, c'est où Saint-Marin? Voilà. Bon, vers ici, il y a Lyon. Au large de l'Australie, il y a Lyon, l'île de Lyon. Et Saint-Marin, je crois que c'est vers là, les gars. Ma meuf, elle m'a viré de la maison, à la vue de ma mère. Expulsée. C'est ça les couples, à la vie, à la mort? Moindre problème, bam, dégage dehors, c'est ça? Oh là, incroyable. Et je me suis fait avoir, parce que ma meuf, elle vient me voir, elle me dit, ouais, Mohamed, je sais tout. Et comment, avec Goun, j'ai tout balancé tout seul. Oh là, j'ai tout avoué. Alors qu'elle savait rien, en vrai. Attention les mecs, quand une meuf te dit, je sais tout, en vrai, elle sait rien. Vous balancez pas. Regardez comment je me retrouve, les gars. Parce que ma meuf, elle me dit, ouais, j'ai trouvé des photos à poil de filles dans ton téléphone. Ben ouais, logique. Tu n'as pas trouvé des photos à poil de mecs, déjà. D'une. Et de deux, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est Yanis. Il fait n'importe quoi avec son pénis. Combien de fois je lui ai dit, Yanis, ne prends pas mon téléphone et ne reçois pas des nudes sur mon numéro. Il en fait qu'à sa tête. Il en fait qu'à sa quéquette. Le pied, oh! Sors le pied, bordel! Ça fout la haine, ça, les motards. Quand on vous laisse passer, sortez le pied. C'est notre seul plaisir dans la vie. Ah, un motard, les gars! Un motard! Allez, sors le pied! Oh! Oh! Eh, sors le pied! Sors le pied! Eh, mon vieux! Oh là, mon vieux, frère! Oh! Qu'est-ce qu'il y a, là? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Quel bras d'honneur? Je sais pas là. Mais non, je parlais pas à vous. Vous voyez pas qu'il y a le bus là. Je parlais pas à vous, monsieur. Oh là là. Non, mais c'est quoi ces manières de faire? La violence ne. Vous avez pas vu le bus? J'ai failli me prendre un bus. Ça va, ça va. Pardon, pardon, ça va. Putain, ça merde. Va, pardon, excusez-moi. C'est incroyable ça. On peut plus rien dire de nos jours. C'est incroyable. Oh là, c'est incroyable. Je parlais pas à lui, moi. Monsieur, moi je vous ai dit, c'est pas pour vous le klaxon, c'est un truc de fou. Non, vous énervez pas. Je vous explique. Vous énervez pas. Le doigt d'honneur, d'accord? Non, c'est pas un doigt d'honneur. C'est pas un connard. C'était pas à vous. Attention la voiture. Vous n'avez pas besoin. Attention la voiture. Vous mettez pas le doigt d'honneur. Oui, oui, c'est pas à vous que je faisais le doigt d'honneur. C'est pas à vous. Ils ont pris des chiffres à cause de doigt. C'est pas à vous. C'est pas à vous, d'accord? Non, mais moi aussi je vous le dis. Vous klaxonnez jamais aux gens. Comment ça, je klaxonne jamais aux gens? Vous klaxonnez pas. Mais c'est pas moi. J'ai failli me prendre un bus. C'est pas à vous, il y avait une femme avec son chien. J'ai failli me prendre un bus à cause de vous. Ça va, ça va. Tombe les mains déjà, ça arrête. Oui, c'est bon, c'est bon. Oh là là. Mon vieux. Eh oui, comment toujours les mêmes? Allez, vas-y, bouge. Descends. Oh. Eh, la vie de ma mère. Ah, mais c'est bon. Nous, on est en deux roues, nous, monsieur. Et en deux roues, alors? En deux roues, c'est moi. On va crever à cause de vous. C'est incroyable. D'accord? Ah, ben voilà, il me reconnaît au moins. Je suis connu et tout, monsieur. Merci madame. Non mais dites-lui, il est énervé, il veut me rentrer. Non mais toi aussi comme ton frère. Comment? Ouais, chaud, toi aussi, à deux. Ah, vas-y. J'ai pas fait un bras d'honneur. J'ai pas fait un bras d'honneur, c'était pas à vous. C'est pas ma femme, ça a rien à voir. Ça a rien à voir, c'est pas ma femme. Je sais pas. Désolé, vous énervez pas, monsieur, et ça veut rien dire, ouais, tous les mêmes. Ça veut dire quoi, tous les mêmes? Non mais à chaque fois, c'est toujours les voitures. Eh ouais, toujours les voitures. Vous avez quoi contre les voitures? Dans ce cas-là. Vous êtes plein de téléphones, vous êtes. Allez faire. Le Grand Prix de moto, alors arrêtez un peu, arrêtez. Hein? Non, c'est bon, c'est bon. Non, mais je suis calme, je suis calme. Allez, vas-y, va te faire voir ailleurs, va. Allez, il fait le beau là, tiens, merde. Tu m'as cherché, t'étais pas là au début de l'embrouille, toi? Si, j'étais là depuis tout à l'heure. Mais moi, je klaxonnais, non, pas lui. Lui, il arrive, je sais pas. Ah non, au début. Il revient en plus, oh là là, qu'est-ce qu'il. Oh, c'est bon. C'est bon, monsieur. C'est bon, monsieur, je suis en train de le calmer. Il y a tous les motards qui débarquent là aussi. Pas besoin d'appeler tes potes. Je filme, ce que si j'ai envie de filmer en fait. Elle est incroyable lui. Ouais, incroyable. Non, c'est bon. Pardon? Pardon? Pas besoin d'en venir là en fait. Je sais pas, il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions au bout d'un moment. On va se taper comme ça, on est des paires de. Non, oh. Pardon? C'est bon, calme le jeu. Il est malade lui, malade ça. Sous prétexte qu'il est en moto, faut rien. C'est bon frère. Eh, va te faire foutre, va. Connard, grosse merde. Enfoiré, va. La
vie de ma mère, il a de la chance. Wallah, il a de la chance. J'ai pas envie de me battre aujourd'hui. Bientôt le ramadan et tout. Wallah, c'est bon, on va voir. La vie de ma mère, on va voir. Wallah, on va voir. La vie de... Le pied, le pied. Voilà, voilà, merci. Wallah, c'est trop demandé, ça aussi. Ouais, chose. Sortez le pied, les motards, quand vous. Le pied, la chance, bientôt est le ramadan. Wallah. La chance. La vie de ma mère, il n'y aurait pas la meuf au milieu. Oh là, elle serait pas là. La tête de mon mignon. Putain, il revient à la charge. Oh là, il revient à la charge. Bon, les amis, très important. Il y a Saint-Marin qui joue. Oh là, c'est une équipe qui n'a jamais gagné de sa vie, les gars. Ils vont bien gagner un jour. Oh là, les gars. Ils vont bien gagner un jour, Saint-Marin. Ils peuvent perdre une fois, perdre deux fois, perdre 10 fois. Le jour, ils gagneront. Je serai là, les amis. Je serai là. Je serai là, bordel. Je serai là. Les amis, c'est pas ils ont jamais gagné une Coupe du Monde. C'est pas ils ont jamais gagné l'Euro. C'est pas ils ont jamais gagné les Jeux Olympiques. Non, les gars. Ils ont jamais gagné un match de football de toute leur existence, les gars. Oh là là, Adem. Ils vont bien gagner un jour. Voilà, un jour ou l'autre, ils vont gagner, les amis. Je sais que c'est impossible. Je sais que mathématiquement, il y a très peu de chances qu'ils gagnent, Saint-Marin. Je sais, les gars, je sais. Mais imagine. Imagine, imagine, frère, imagine. Voilà, imagine. Imagine. Non, je sais très bien que les chances que Saint-Marin s'impose face à l'Angleterre, elles sont très minimes. Je sais qu'elles sont minimes, les gars. Voilà. Mais imagine. Imagine. Comme au casino, les gars. Tu vas au casino, tu vois sur l'écran que le rouge, il est sorti 15 fois. Plus le rouge, il sort, plus le noir a de chances de sortir, les gars. Voilà. C'est pareil pour Saint-Marin. Défaite, 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 défaite. Plus ils font de défaites, plus les chances de gagner, elles sont immenses. Et là, je sens, les gars. J'espère que c'est la bonne. La vie de ma mère. En tout cas, que ce soit ce soir, dans une semaine ou dans 6 mois, le jour où Saint-Marin gagneront, je serai là, les amis. Je serai là, les... Il est où Saint-Marin, là, les gars? J'espère qu'ils ont une bonne cote, hein. Putain, cote à 100, les amis. La vie de ma mère, cote à 100. Vous avez vraiment cru que moi, Eni Mohamed, fils du vent et de la pluie? Aïe, ta grand-mère. La cote, elle est à 100, d'accord? Donc, si je mets 10 euros, ça fait 1000 euros. Si je mets 100, ça fait 10 000. Si je mets 1000, ça fait 100 000. La vie de ma mère, j'ai envie de mettre 1000 euros. Voilà. Je sais que c'est pas raisonnable. Je sais que je suis père de famille qui a mieux à faire. Je sais, les gars. Mais imagine. Imagine, je mets 1000 et ça passe. Imagine. Neymar qui récupère le ballon, Neymar qui accélère, Neymar qui dribble un joueur, deux joueurs, trois joueurs, Neymar qui dribble, Neymar qui prend le couloir, Neymar... Il a sauté, il est où Neymar? Je vous nique. Canet-Roussillon, ils battent l'OM. Voilà, que Saint-Marin, ils peuvent battre l'Angleterre, les gars. C'est le même rapport de force. Voilà, les gars. Si le Canet-Roussillon l'a fait, tout le monde peut le faire. Voilà. Et en plus, il n'y a pas Rashford et que l'Angleterre, c'est donné. Non, pas donné, voilà, j'abuse. C'est pas donné du tout, les gars. C'est une grosse, grosse prise de risque. Mais j'aime bien l'adrénaline, moi. Voilà. Allez, on y va, les gars. C'est parti. Voilà que c'est parti. Eh, 200, oh là, 200, j'y vais, on s'en bat les couilles, la vie de ma mère. Regarde Benevento, les gars, c'est bien passé, pourquoi pas, les gars, ils vont bien gagner un jour, il y a 20 000 euros à la gagne. C'est 11 humains contre 11 humains, faut pas l'oublier, les gars. Ils ont tous deux bras, deux jambes, deux testicules, à part les monocouilles. Les monocouilles, ils en ont qu'une, mais bref, c'est pas le sujet, les gars. C'est 11 humains contre 11 humains, voilà, c'est pas comme si c'était 11 robots, 11 martiens, non, les gars. 11 êtres humains, d'accord? Vous savez très bien que tout est faisable, tout est possible, tous les... Il y en a plein qui sont là et me disent « Ouais, Momo, t'as perdu tes couilles. » Oh les gars, arrêtez de dire n'importe quoi, d'une, hein? De 2, d'accord? Et de 3, voilà. Mmh.
Ils sont où, bordel? Bonjour et bienvenue à Paris Aéroport. Pour obtenir des informations en français, tapez étoile. Bonjour madame, c'est pour un renseignement s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais avoir les objets trouvés? C'est très urgent. Alors, déjà je me présente, je m'appelle Patricia, enchantée. Donc vous voulez avoir les objets trouvés pour une urgence. Alors je suis désolée monsieur, le service des objets trouvés n'a pas de ligne téléphonique. Mais parce que j'ai perdu quelque chose de très important. Ben, l'unique solution de contacter le service des pour contacter le service des objets trouvés, c'est de remplir le formulaire de déclaration de perte en ligne sur notre site parisaéroport.fr. Peut-être que vous les avez vus, madame, parce que c'est très important. J'ai perdu ça aujourd'hui. Mais, monsieur, vous avez vu l'heure qu'il est, il va être 20h dans 4 minutes. Mais madame, le service des objets trouvés, déjà, il n'y a qu'une personne qui le gère. Et à cette madame, heure-ci, elle n'est plus au bureau. Madame, j'ai perdu mes couilles aujourd'hui et je les cherche. Je suis désolée, monsieur, mais là... Les amis, vous avez vu l'embrouille avec le motard hier, hein? Il s'est bien chié dessus. Hein? Facile de parler, facile de descendre de sa moto, mais quand il faut assumer, il n'y a plus personne. La vie noire, moi j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Voilà. Maintenant, c'est trop facile les motards aussi, avec leur casque, ils craignent pas les coups. C'est pour ça qu'ils veulent se battre à chaque fois. Oh là. Tu crois quoi toi? Dis-toi que le motard, il tombe à 200 km/h avec son casque, il a rien. Alors imagine, tu lui mets des patates toi, tu crois qu'il va voir quoi frère? C'est normal, ils sont tous courageux, ils font les vaillants. Le mec s'approche, il veut se battre avec son casque, c'est trop facile. Pose le casque, et là, il avait de la chance le motard, hein. C'est bientôt le ramadan, hein. Parce que sinon... La vie de ma mère, patate, je regrette de ne pas rentrer dedans, lui, là. La vie de ma mère, elle a de la chance, c'est le ramadan bientôt. Voilà, je prends sur moi et tout, mes frères. Vaut mieux même pas que je te recroise, toi. Voilà, le motard, je le laisse passer. Il sort même pas le pied pour me remercier. Voilà, eh bien, retourne derrière, alors, dans ce cas-là. Voilà, hey, tu me relaisses passer devant. Je suis désolé, c'est comme ça. Moi, je peux pas les supporter, hein, les mecs sortent pas le pied, les motards. Je vous le dis, les gars. Les cyclistes aussi, je peux pas me les voir. Dégagez de la route, vous cassez les couilles les cyclistes. Il y a quelqu'un qui peut leur dire s'il vous plaît? Oh là, oh, c'est bon le cycliste, il est là avec son petit cul tout moulant. Le mec, il est là avec son, son maillot de bain, une pièce pour meuf. Oh là frère, le cycliste en plein milieu de la route avec son petit cul, il a aucun stress, aucune pression. Il est pas là, il se dit non, il y a un camion. Il s'en bat les couilles, oh là. Ah bah... Je suis dans mes droits, piste cyclable. Ouais, voilà, frère. Allez me faire aller au skatepark, les cyclistes. Voilà. La vie de ma mère, j'ai envie de... Il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories de motos et de scooters, les gars. Quand t'as 14 ou 15 ans et t'es un mec de quartier, tu prends ou un stunt ou un spirit. Voilà que c'est comme ça. Quand t'es un mec du skatepark et t'as 14 ans, tu prends une derby pourrie. Derby dégueulasse. C'est comme un cross, mais c'est pas un cross. C'est un vélo avec des vitesses. Voilà, les gars. Après, t'as quoi? T'as le 600 phaser. Alors, le 600 phaser, c'est quand tu commences dans le monde de la moto, t'as pas de sous pour t'acheter un R1, alors t'achètes un phaser. Voilà. Et tu fais genre, ouais, le phaser, ouais, je préfère la maniabilité, c'est plus maniable, ouais, arrête de mentir! Vroom, vroom, gros R1 Yamaha, mon frère, y a pas mieux. Voilà. Les menteurs, là, ouais, phaser, ouais, avec le phaser, t'as une meilleure direction. Ouais, en plus, t'as les pédales rétroactives. Non, non, arrête de mentir, voilà. Donc, t'as le 600 phaser, t'as le R1, et le pire, c'est le T-Max. Le T-Max, les gars. Les mecs qui roulent en T-Max, c'est des Jason Statham. On dirait des tueurs à gages. Voilà, le pire du pire, c'est les mecs en T-Max. Voilà, le mec en T-Max, comme il fait peur. Voilà, on dirait qu'il a un contrat. On dirait qu'il y va pour tuer quelqu'un. Voilà, les gars. À chaque fois que je croise un T-Max au feu rouge, je perds 2 kilos. Ils font esprit. Voilà, ils jouent sur ça, les gars. Casque noir. Combinaison noire, gants noirs, voilà, Jason Statham dans le transporteur. T'arrives au feu rouge, le T-Max il s'arrête, il te regarde, coup de pression, en mode il y a un contrat sur toi. Toi t'es là, t'accélères, tu grilles le feu rouge, voilà. Tu rentres chez toi, ouais j'ai évité un meurtre, ils ont voulu me tuer, hors sujet, voilà. Arrêtez les T-Max de mettre des coups de pression, arrêtez. Voilà, vous croyez que vous avez des pouvoirs magiques ou quoi? Voilà que c'est un truc de fou.
Voilà, mon frère, il est là. Ils sont là en mode, je reviens d'un braquage. Voilà. Zamache, course-poursuite, il y a les flics qui... Arrête en règle. Arrête un peu. T'as le BSR, t'as même le BSR. Arrête de faire le mec qui est en cavale. Voilà. Le mec, il a le BSR, la SSR, la sa grand-mère. Et il fait le mec en poursuite. Moi, ce qui m'énerve le plus chez les motards, c'est quand il y a une meuf à l'arrière. Voilà. Le motard, il est super modeste. Et la meuf, elle se la pète à l'arrière. Voilà. Elle est comme ça au feu rouge, elle regarde tout le monde dans les yeux, genre en mode, hein, c'est mon mec, hein, il a le permis moto et toi non, hein, t'as les boules, hein, t'as les boules, voilà, la meuf, comment elle provoque, c'est un truc de fou, c'est pas ta moto, voilà, le mec et la meuf, elle est derrière, tu sers juste de protection en cas de chute, voilà que c'est la vérité, il te respecte même pas, il cabre et tout avec toi, voilà, un mec, s'il cabre avec sa meuf, c'est qu'il t'aime pas, voilà, ouais, l'amour du risque, Bonnie and Clyde, Bonnie and Sivière, ouais, voilà, Bonnie. Oh là, t'es même pas Bonnie en plus. Non, mais c'est la vérité, les gars. La meuf à l'arrière, elle est là, genre j'ai réussi ma vie. Hein? T'as les boules, hein? Il va plus vite que toi, mon mec. Ouais, ouais. Toi, t'as pas de voiture, t'as pas de moto, toi. T'as une moto? Est-ce que t'as une moto? Non, t'as pas de moto. Isaac, t'as vu papa hier, il s'est disputé avec un motard? Papa, il allait lui casser la gueule, papa. Oui. Je suis descendu, après il a eu peur, il est parti, le motard. Ouais. Ton papa. Le motard. Éclater le motard. Oui, oui, ouais, il faisait le beau avec papa et tout. Il me dit, ouais, c'est quoi, toi, moi, tu me parles comme ça à moi? Je suis père de famille, mon fils Isaac m'attend à la maison. Descends. Descends, je lui ai dit. Rien à foutre, descends. Là, il fait quoi? Ouais, monsieur, calmez-vous. La violence ne résout rien. La violence résout tout, mon pote. Je lui ai dit, monsieur, calmez-vous. J'ai un fiston, j'ai un bébé. C'est bon, tranquille. Il y a moyen de s'arranger. Il me dit, non, je sais pas quoi. J'ai dit, ouais, non. Eh ben, descends. Descends. Allez, tête à tête. Je commence à approcher, je colle ma tête, qu'est-ce qu'il fait là? Il appelle pas les flics? Il appelle les flics, je dis appelle les flics. Appelle même les pompiers si tu veux. Appelle même le SAMU, qu'est-ce qu'il y a? Ils vont faire quoi les flics? Dès qu'il y a les flics qui arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Ça va Isaac? Ouais. Les flics qui arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Coup de matraque, j'esquive, patate, KO. CRS ils arrivent, bouclier, bim, bam, boum, camion de CRS. Je le brûle, je pars en courant, hélicoptère, j'esquive, rac, bim, 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 bim. Je parle sérieux moi Isaac, hein, je voulais calmer l'histoire. Et le mec continue à chauffer. Eh ben descends! Descends! Comme ça, je lui ai dit, il y a un problème, descends, descends, je te descends. Le mec, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il met la moto sur béquille, d'accord? Et il n'y a pas son pote motard qui débarque. Je dis, ben venez à deux. Venez, vous êtes deux? Vous en avez plusieurs? Mais Alish, voilà, mais Alish. L'autre aussi, son pote, je lui ai dit, descends, descends, il ne voulait pas descendre. Je lui ai dit, c'est quoi, frère? C'est quoi? Vous ne m'arrêtez pas, je ne vous donne même pas l'heure à vous. Je ne vous donne même pas l'heure à vous. Et là, il vient avec son casque, je le prends. Coup de genou, il tombe par terre, je le ramasse, je le tiens derrière. Les amis, franchement, c'était un bon match de l'Algérie hier. Hein. La vie de ma mère, si l'Algérie continue comme ça, je les vois bien gagner l'euro cet été. Oh là, ils sont favoris pour l'euro pour moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Les amis, franchement. Je comprends pas, je vois vos messages. Ouais, Mohamed, tu t'es couché. Mohamed, t'es une merde. T'as eu peur, je sais pas quoi. Vous attendez à quoi en fait que je... Oui, là, je suis père de famille, les gars. C'est la meilleure des excuses. Oh là les gars, ouais Isaac. Hier, le motard là. Coup de genou, tête, coup de coude Isaac. Je le prends comme ça, je l'étrangle. Il commence à s'agiter comme ça. De là, je prends sa main, je le mets derrière, je l'attache. Je lui mets un petit fil comme ça de menottes. Qu'est-ce qu'il fait? Je sors mon match à coup. Il n'y a pas ses potes qui débarquent. Son pote qui vient, il commence à me tenir comme ça. Je me débat. Je mets mon pied sur sa nuque, je le maîtrise avec l'autre, je tiens sa main comme ça, je tords le poignet. Il n'y a pas ses potes qui débarquent. Son... Dans la vie, tu peux tout acheter, du Gucci, des bijoux, des diamants, des maisons, des voitures. Il y a une chose qui ne s'achète pas, c'est les couilles. Ou t'en as, ou t'en as pas. Et hier, le motard, on a vu qu'il n'en avait pas. Hein, c'est chier dessus, hein. Bon la musique Isaac, papa il devient fou hein. Là je vous mets la musique. Bon la musique.